monde, j'espère que vous allez bien. Oh oui, juste un petit disclaimer en début de vidéo. J'ai pogné un rhume, j'ai une voix de marde. Écoute, mon cardio, il est à moins 1000. Fait que je t'ai soufflé juste à parler. Mais bon, écoute, j'avais vraiment le goût de filmer la vidéo. Parce que dans le fond, aujourd'hui c'est une vidéo en lien avec les Sims. Puis je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, puis je pense que c'est assez évident. Aujourd'hui, je vais faire le fameux challenge une couleur. Dans le fond, le but de ce challenge-là, c'est que tu construis une maison, mais avec seulement une couleur. Puis s'il n'y a pas le produit, dans le fond, dans cette couleur-là, ben écoute, je l'utilise pas. Puis ben, j'avais le goût de rajouter une petite coche là-dessus, parce que tu sais, mettons que je fais une maison all blue, ben mon Sims, il doit fitter. Avant de commencer la vidéo, ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme ça, à faire un thumbs up et à me dire dans les commentaires quelle autre vidéo de Sims aimerais-tu voir sur ma chaîne? Fait que si ça vous tente de voir ça, ben vous avez juste à rester parce que la vidéo commence genre maintenant. Je sais même pas en plus si la vidéo va marcher parce que, écoute, je suis pas une gamer professionnelle. Fait que ça se peut que l'enregistrement vidéo ne fonctionne pas et si ça fonctionne pas, je pleure. Ok, il y a comme eu un petit problème parce que moi dans ma tête je pensais qu'il fallait seulement utiliser une couleur. Et j'ai vu, ben en fait j'avais pas regardé les vidéos des autres et ben c'est ça, j'avais fini de faire le montage de cette vidéo là. Et ben j'ai vu que certains utilisaient d'autres couleurs comme du blanc, du gris. Écoute, moi j'ai été all-in une couleur. Comme tu verras quasiment pas d'autres couleurs que la couleur que je vais avoir choisie. Fait que dans le fond, j'ai comme pas mal trop rushé à faire le challenge, fait que merci d'être indulgent. Full love! Je vais pouvoir aller installer mon jeu et on commence. Hi! Ah, j'ai chaud ici, d'un! Là, on va faire une nouvelle. On fait une nouvelle partie? Hey, écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ça. On commence. Fait que dans le fond, j'ai décidé pour le jeu de faire un couple. Enfin, je vais faire une fille et un garçon. Donc, pour le nom, je m'en fous. Là, je vais faire Alexandra Sanchez. Bon, ça c'est fait. C'est pas que le manteau d'hiver me gosse, mais c'est un peu ça. Oh mon, non, mais je veux te recommencer au complet. Là. Je veux pas de tatou, je veux pas rien. Je vais tout enlever. Genre. All natural. Being all natural. That's what I want. J'ai le goût d'y aller dans le rouge. Fait qu'aujourd'hui, on va faire la couleur rouge pour tout. Fait qu'on va commencer avec la peau. Je veux une peau rouge. Ok. Oh. What? Bon, ben on va recommencer. Bon, la peau rouge, ça c'est fait de 1. Les cheveux. On va décider ça tout de suite, mon ami. Ça va prendre 2 secondes d'écart. On va prendre ces cheveux-là, puis on va les mettre rouges. Ça fait rouge longtemps, hein? Ça... Les yeux rouges. Le rouge à lèvres. Parce que là, écoute, je trouve que elle a un teint assez... rouge. Ok, on va rajouter un petit rouge à lèvres rouge, écoute, juste pour dire. Ça, pour le visage, c'est fait. Tout est rouge. Mais là, t'es belle en rouge, j'aime ça! Alexandra, c'est un geste! On va y aller comme ça. Ah, ici, un haut rouge. Un pantalon rouge. Oh, un pantalon rouge ici de 2. Converse rouge. Ah, là, all rouge. Parfait, on aime ça comme ça. Eventually. Bon! Fait que je vais vous présenter ma famille après 3 ans d'avoir choisi son outfit. Voici Alexandra Sanchez et notre ami Julien Chevalier. Fait que ça, c'est un beau petit couple. Ben, c'est ça, là, c'est un couple bien rougeâtre. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller créer leur maison rouge. Puis là, on va aller mettre cette famille à quelque part. On va mettre là. Ok. Parce que tu sais, pour suivre à la règle, je vais colorier le terrain rouge. Comme ça, on va être vraiment dans le thème, puis solide à part de ça. Puis écoute, on va y aller bien simple. Comme ça. Puis là, je vais faire un petit design, tu sais. Hey, bon, non, il était pas assez grand. Finalement, le petit design. C'est vraiment là ce que je fais, mais bon. On fait avec notre talent de maison. Écoute, j'ai pas le talent inné de créer des maisons. Mettons que c'est pas ma force créer des maisons, hein. On va tirer ça, puis on va faire un deuxième étage comme ça. Puis là, ici, il faudrait peut-être que je peinture le tout, mais filtré par les éléments. Couleur. On va aller là en rouge. Aucun résultat. Ah, ça part bon, on va faire. Et... on va mettre un escalier ici, mais là, pourquoi ça fonctionne pas? Ah, oh, c'est parce que j'ai pas mis de balcon. Waouh, la fille est vraiment trop dans ce qu'elle fait. Elle sait vraiment ce qu'elle fait dans la vie. Pourquoi que le mur s'est défait, de ce que je peux comprendre ici. Bon, je vais mettre les marches
rouge, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Oh my god, ça va pas bien. Regarde, c'est quoi, m'a enlevé le balcon? Parce qu'on dirait qu'il veut pas coopérer à ma tête. On va juste pas mettre de balcon. On va mettre maintenant une petite porte rouge. Pour les portes, on a quand même du choix. Fait que là, on va mettre une porte quand même cute. Puis là, comme d'habitude, elle veut pas se centrer, la maudite. Oh, on a quand même du choix pour les fenêtres, j'aime ça. La fenêtre ici, on va la mettre ici comme ça. Pour les murs, oh, il y a quand même beaucoup de choix. Ça, on va mettre toute la maison en briques rouges. Fait que je vais mettre, ah oui, je vais mettre des petites fleurs ici, comme ça. Ouais, ben jolie comme ça, on aime ça même. Ça décore un peu tout, parce qu'en ce moment, ça fait un peu vide. Genre vraiment beaucoup. Ok, j'ai fini de faire le premier étage, ça a l'air de ça. Écoute, j'ai comme pas tenté de quoi. Fait que ici, ça va être la cuisine qui va être comme reliée à la salle à manger. Puis ça ici, ça va être la salle de bain. Puis ici, dans l'air libre, ça va être le salon. Pour les portes, pour rentrer, dans le fond ici, je vais avoir besoin d'un cadre de porte. Il n'y a pas de cadre de porte. Nice! Désolée, si vous entendez mon ordi, c'est parce qu'elle essaie de respirer. C'est ça. Et pour la salle de bain, on va mettre du carrelage rouge ici. Pour la salle à manger, on va en mettre aussi, mais d'une autre couleur, parce qu'on a le choix. Pour les murs, dans la salle de bain, on va mettre... Attends. Ah, ça ici, ça pourrait-tu être beau? Ça ne fitrait pas. Non, ça ne fitrait pas. Fait qu'on va y aller all-in de même. La salle de bain est vraiment all-in, mais c'est pas grave. Écoute. Pour la cuisine, habituellement j'y vais tellement simple. Pour la maison au complet, je vais mettre une peinture assez basique. Teint, rouge comme ça, c'est rouge en s'il vous plaît. Ah, la salle à manger, je vais mettre un rouge foncé comme ça, on a besoin de même. C'est rouge, hein? Pour pas dire que c'est rouge. Là ici, je vais mettre des petites rampes pour l'escalier parce que ça a l'air que je place l'escalier là. Et je vais le placer en avant de la porte d'entrée parce que, tu sais, je sais pas, je trouve que c'est plus... plus beau, hein? Puis on va les agrandir. Y a-t-il une boîte aux lettres rouges? Oh my god! Ben non! Please, faites qu'il y a une boîte aux lettres rouges, sinon je peux pas mettre de boîte aux lettres dans ma maison. Yes, sir! Puis on va mettre des lumières rouges un peu partout. Hey, on voit tellement mieux. Puis d'après moi, soit que je vais les enlever ou que je vais les garder les mêmes. Pour le plafond, je vous avertis, je suis d'une nullité pour faire le plafond. Je suis vraiment... mais vraiment très nul. Ok, il n'y a pas plus nul que moi dans la vie. J'ai pas la capacité pour construire des plafonds. Non, en tout cas, vous avez compris. On va construire ça comme ça ici. On va faire du mieux de mes capacités. Mon plafond, il fait un peu dur. Là, on va y aller avec ma partie préférée parce que sinon, ça va être trop long. On va venir décorer. Ça, je capote. Ça, j'aime ça. On va venir mettre un petit tapis dans l'entrée parce que moi, j'aime vraiment ça, mettre des tapis dans l'entrée. Je sais pas pourquoi, mais je mets tout le temps ça dans mes Sims. Donc, on va venir mettre un petit tapis ici. Puis, on va mettre un petit foyer ici. Voilà, comme ça. Un divan. Oh, palais que j'ai du choix. On va mettre un divan ici. Have you been texting on the steam? Oh, have you been measuring a bleed? Though you told me weeks before. Oh, yeah, grams for wash me this morning. Là, il y a une bibliothèque rouge, donc on va mettre ça ici parce qu'ils vont devenir intellectuels vu qu'ils n'ont pas de télé. On va mettre des bibliothèques parce qu'ils vont lire, ils vont s'instruire. Écoute, c'est ça qu'il faut dans la vie, s'instruire. Tu as fait un petit quelque chose. Écoute, le salon, il y a son charme. Il y a son charme, ouais. Et voilà, y'a-tu un ordinateur rouge? Ah, y'a pas d'ordinateur rouge. Ah, c'est fun ça. Oh, on va mettre un petit journal intime dans le coin, si tu penses c'est cute. Pour la salle de bain, en espérant qu'il y ait une toilette parce que sinon il pourra pas... Ah! Y'a pas de toilette rouge. Fait que je peux pas utiliser de toilette. Au moins y'a un bain, c'est déjà ça, hein? Fait que là je vais finir de meubler ma maison pis tout, pis je vais venir finir de faire le challenge. Puis ben nous, on va se retrouver après pour que je vous montre le résultat final de la maison. Bon, après 3 heures de
struggle, j'ai enfin fini la maison. Écoute, c'était plus tough que je pensais. En ce moment, la maison, ok, elle ressemble à rien. Fait que je vais vous montrer ça, le résultat. Fait que ça, c'est l'entrée de la maison. À la gauche, il va y avoir le salon ici avec pas de télé, rien partout. Au début, je voulais réserver ce coin-là à droite pour mettre genre un piano, un truc pour faire des dessins, tu sais, comme un endroit pour des loisirs, écoute, mais il n'y avait aucun choix. Fait que, ben c'est vite. Écoute, pour mes peu de capacité en Sims, en maison, c'est pas si pire que ça. J'ai vu pire dans ma vie. Fait que si on se déplace vers la gauche, il y a la salle de bain. La salle de bain, t'as un autre problème, ok? Il n'y a pas de toilette. Écoute, il n'y avait pas grand chose pour décorer ma salle de bain, fait que la salle de bain, je pense que c'est la plus pire de la gang. Fait que ça ici, c'est la salle à manger. Puis si on se déplace un petit peu plus à droite, il y a la table à manger, qui est comme direct dans ta face quand tu rentres dans la pièce. Puis pour vrai, c'est pas si pire que ça. Fait que c'est pas mal ça pour la salle à manger et la cuisine. Et si on tasse à droite, hop là, j'ai changé le tout. J'ai mis une piscine avec pas d'échelle parce qu'il y avait pas d'échelle rouge, mais il y avait de l'eau rouge. Fait que j'ai pu mettre de l'eau. Ici, j'ai pu mettre un petit barbecue pour faire cuire l'été des burgers, des hot dogs. Et là, on va monter en haut. Fait que j'ai condamné cette pièce-là, puis je vais trouver quelque chose à faire un jour avec cette pièce-là. Donc, pour la chambre des maîtres, j'ai mis un lit. Et bien, ici, c'est là que je me suis amusée. J'ai fait un genre de walk-in pas clair. Après ça, j'ai fait un petit bureau ici qui sert pas en tout à grand-chose parce que dans le fond, il y a pas d'ordi, il y a pas rien. Fait que. Écoute, ils peuvent pas s'asseoir à juste chiller sa chaise, mais bon, j'ai mis un bureau même puis ça remplit le tout. J'ai comme rempli l'espace parce que je savais pas trop quoi mettre. Fait que j'ai mis genre un espace... Je m'assois et je chill. Fait que là, on s'en va vers la droite encore et là, c'est la salle de bain. Et encore une fois, j'ai pas pu mettre de toilette parce qu'écoute, il y avait pas de toilette trop. Fait que c'est ça, fait que la salle de bain est pas mal vide là, mais bon. Pour les éventuels enfants qui vont arriver dans la famille des Sanchez, j'ai fait une chambre de bambin avec le petit lit d'auto ici. Bref, j'ai vraiment essayé de mes capacités de remplir cette chambre, mais il manque encore une fois de la décoration. Et là, si on s'en va par là, c'est la chambre adolescent-enfant, j'ai pas défini. Puis là, si on se tasse, j'ai mis finalement le garde-robe avec le miroir pour qu'ils se regardent pour les outfits off de deux et puis toute la patente. Fait que c'est pas mal ça pour la maison. Donc c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut!